Di Maria, au Barça, la nouvelle a fait le tour du web. Pourtant, il ne s'agissait que d'une supercherie. Dans la nuit du 22 au 23 août, le compte Twitter du FC Barcelone a posté un message annonçant l'arrivée du joueur du PSG, ce qui aurait constitué une belle prise après le départ de Neymar pour le club parisien. Mais l'euphorie est de très courte durée, car rapidement, l'hypothèse du piratage se confirme. Quelques instants plus tard, le groupe qui a pris les commandes du compte du club revendique l'opération dans un message et se dit désolé pour ce canular. Des posts qui ont depuis été effacés mais capturés par le site de l'équipe. Notre compte a été piraté cette nuit. Nous travaillons pour résoudre le problème le plus vite possible. Merci de votre patience. A publié le club sur son compte Twitter, réduisant ainsi quasiment à néant l'espoir de voir Angel Di Maria jouer pour le FC Barcelone.